Oui, ma fille. Qu'est-ce qui peut vous amener aussi très tôt ce matin chez moi? Je dis que la misère que je suis en train de vivre chez moi depuis que celui qu'on appelle Doudou a pris une deuxième femme. Mm-hmm. Je suis donc venue te voir pour cela. Mais tu ne trouves pas qu'il a raison? Rien que des filles, rien que des filles. C'est comment? Est-ce que c'est ma faute? Si tu étais venu plus tôt, je t'aurais arrangé cette situation. Hein? Parmi les 6 filles, tu aurais au moins 2 garçons. Comment tu n'accouches que les filles. C'est pas normal. C'est donc pour cela que je suis là. Non, je te comprends. Et comme je te connais, je veux bien t'aider. Hein? Tu auras des garçons. Des garçons, les jumeaux, si tu veux. C'est là que je suis donc venu te voir, pour que cette femme même qui est venue là, oui, qu'elle ne puisse même pas mettre une souris au monde. Je dis mettre une souris au monde. Parce que si elle fait un garçon, mon foyer est fini. Tu veux être la seule à avoir, oui, d'enfants avec et deux doigts. Tu m'apportes les urines de ta co-épouse. Où veux-tu que je prenne ces urines? Elle n'est pas avec toi dans la même concession. Je vais prendre ça où? Fais un effort. Si tu as de la volonté, tu peux me les apporter. Tu m'apportes les urines. Si tu peux t'engager, tu le feras. C'est un peu de volonté seulement. En tout cas, si c'est pour mon bien, je vais me battre. Voilà. Tu as intérêt. Tu m'apportes aussi un poulet blanc. Hein? Blanc, tout blanc. Mm-hmm. Ou je dirais une poule toute blanche. Une poule, comme c'est une affaire de femme. Voilà. En plus de ça, tu m'apportes une somme de 50 000 francs et je te mets tout au clair. Qui a maman jusqu'à 50 000? Ma fille, je dis, tu m'as déjà vu dans les boîtes de nuit danser. Je demande 50 000, tu crois que c'est pour aller jouer en boîte comme c'est pour toi? Et si tu veux, tu laisses. Je ne te prie pas. Non, ça va, je vais faire l'effort. Voilà. Comment quand je te parle, alors tu dis, c'est trop, ce machin? Ah. D'accord, Mambo. De ce pas, je vais aller me battre. Oui, bats-toi. Pour une affaire comme ça, on se bat. On se bat pour que ce soit ce qu'on veut. Je te donne le temps. Et au plus tard, avant la fin de cette semaine, parce que je dois aller hors de la province soigner un grand monsieur. Il me donne... Si ce n'est que pour moi, la fin de la semaine, c'est loin, parce qu'elle est déjà même là. Première heure, si tu me garantis que tu seras là demain, avant 6 heures, j'aurai tout apprêté. Ok, d'accord. Voilà. Courage. Demain, courage. Bon, merci. Je vais chercher tout ce que tu m'as demandé là. Quand tu entends donc ce que je t'ai dit l'autre jour, mon terrain, quand tu essaies un peu de voir, regarde un peu. Le baba que tu vois là. Non, pas celui qui est ici là. L'autre. Celui qui. Voilà. Celui qui est derrière là. Oui. Et c'est même pas la limite, hein. Toute la zone 6. Là-bas. Là-bas.
je ne sais pas comment je vais te montrer des limites. Tout ça, c'est mon terrain. C'est pour ça donc que je t'ai fait venir pour te faire comprendre que moi, j'ai besoin des garçons. Puisque d'abord, je suis fils unique et je suis seul. Comment est-ce que je peux occuper rationnellement tous ces espaces? Tu as vu ta co-épouse, des filles, des filles, des filles, et depuis même là, rien. Ne t'en fais pas. Ouais, dans ma famille, nous sommes des poules. Premier tour même, trois. Et tu sois les criblés. J'ai dit que, parce que si on va aller là qu'un enfant, deux, trois, ça va nous perdre le temps. J'ai dit que premier tour, trois garçons. Tu as confiance en moi, mon chéri? Non, 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 c'est bon. Parce que comme, tout ça, tu vas faire quoi avec le terrain aussi? Voilà. Et si maintenant tu meurs, les sorciers de ton village, là, ils vont s'accaparer de tout ton terrain. Voilà. Ne t'en fais pas. C'est même pour ça que, comme tu vois celle qui est chez moi là, tu sais que c'est pas moi qui l'ai choisi. Bon, c'est ma mère, bon, elle voulait que, comme j'étais fils unique, il me fallait rapidement une femme. Comme elle a vu l'expérience de Mbouta. Tu sais que Mbouta, alors, c'est plus que les chenilles. Chez lui, tu ne sais même pas qui a quel âge. Tu vois comme ça, les 2 mois, les 6 mois, les 1 an, les 1 an encore, les 2 ans, les 2 ans et demi, les 2 ans encore, les 3 ans. Le gars, il ne fait qu'aligner. Mais quand ma mère a vu ça, elle a dit non. Il faut que mon fils ait aussi une femme pour occuper rationnellement tout l'espace qui a été donné. Elle vient alors, elle pond seulement les femmes. Elle est donc venue avec la femme là. Pour que la femme là m'accouche. Touche-moi ici. Touche. Tu sens quoi? Elle a envie de non. C'est comme si tu as perdu 4 boulons ici. 22h, 4h. 18h, 2h. J'ai prolongé par la. J'ai que toute la journée même. C'est comme ça que, bon, par miracle, ça arrivait comme ça. Une fille, puis, plus rien. J'ai donc dit maintenant qu'il me fallait un héritier. Si je meurs maintenant, ces filles, bon, elles vont partir, hein? Les gens vont venir les ramasser, et même si je meurs maintenant, peut-être c'est même le voisin qui va venir récupérer, et puis, plus rien. Les seins que je vois là, ça veut dire que Dieu a préparé ça. Pour accueillir beaucoup de bouches de nourrissons. Hein? Ça va, ça va. Quittez. C'est toi là. Allez là-bas. Allez. Dégage. Vous, il faut manger. Il faut travailler, vous ne travaillez pas. Là, c'est vraiment pour manger. Mouta, tu manges avec les enfants, tu les chasses. Mouta. Ils ont réussi pour manger. Ils ne travaillent plus rien. Tu manges avec les enfants, tu les chasses. Moi-même, j'ai besoin de manger pour vieillir. Ta poule ne doit plus picorer parce qu'elle a les poussins. Et tu les as donc accouchés pour quoi? Pour venir manger. Vraiment. Les enfants sont là seulement pour manger. Je dois la poule. Personne n'a rien barré depuis le matin. Mange. Ta poule ne doit pas picorer parce qu'elle a les poussins. Bonjour Mbouta. Oui. Ah, c'est comment Judith? Ah, je suis là tout à l'heure. Dis-moi au moins de prendre place. Ok, mais tu es chez toi. On n'a pas besoin de te donner la place. Okay. Oh! Ça, c'est même calban encore. Cherche-moi rapidement une cuillère là, Judith. Pour faire quoi? La cuillère pour faire quoi? Mbouta, je t'accompagne, je vais juste vider. Tu m'accompagnes, tu m'accompagnes. Si tu es venu pour manger, sors. La cuillère. Laisse ton frère manger. Et s'il n'y a pas? La nourriture. Mbouta, tu es sérieux?
il n'y a pas. Bouta. Où est partie la fraternité? La fraternité, c'est au niveau de la nourriture. Papa! Bouta, c'est même quoi? Je sens que, à ce rythme, tu vas bientôt créer un parti politique, hein? Et même mieux, une église. Tristalor! Regarde-moi! Tom, tu sais comment je suis arrivée ici. Et le bon monsieur n'est même pas satisfait, hein? Il en va encore. Bouta, non. Non. Parce qu'à ce rythme, tu es un véritable facteur de sous-développement. Non. Ah! Sois développé. Moi, je suis sous-développé. Non. Sois développé et tu veux venir manger chez moi. C'est ça. La nature a horreur du vide. Tu vois les Chinois. Ils ont déjà rempli leur pays. Les gars viennent déjà ici. Ils arrivent par vague, en avion, même par pirogue. Et les gars arrivent ici, il n'y a plus d'espace là-bas. Moi, j'occupe mes espaces. Avec les enfants ici, là. J'occupe l'espace. Je fais les enfants. Hein? Ils vont faire les enfants. Tu te plains maintenant que les Chinois, s'ils arrivent par vague ici, c'est parce qu'ils ont commis la bêtise en train de vouloir commettre maintenant. De faire les enfants. Oui. Hein? C'est pas normal. De faire les enfants. De faire autant d'enfants. Hein, Bouta? Et pour une fois, il faut écouter les conseils que je te donne. Ouais. Je crois quand même. Dis toujours. Tu me suis dit, tu as écouté ce que je vais te dire. Je t'écoute. Il faut quand même faire les enfants en fonction de tes moyens. C'est toi qui l'as nourri. Qui l'a nourri? C'est toi qui l'as nourri. Qui l'a nourri, Mbouta? Qui l'a nourri? C'est-à-dire, mes cases ne respirent plus. Mm-hmm. C'est-à-dire, dès que le fruit de cases veulent un peu mûrir comme ça là. Tes enfants, tes troupeaux d'affamés de ta maison viennent tout rafler. Hein? Il n'y a que Mbouta qui a les enfants dans ce village. Je connais tous tes enfants. Et même, quand je dors chez moi, le mangue qui donne juste derrière la fenêtre de ma chambre, même s'il est 3 heures du matin, quelle que soit l'heure, c'est-à-dire quand une mangue tombe, je localise avec mon oreille l'endroit exact où se trouve cette mangue. Mais je me lève, à peine j'arrive, j'entends un petit bruit de pas, je crois que c'est un chien qui part, c'est un de tes enfants qui a ramassé maman et qui la suce même déjà. Tu veux que je te dise quelque chose? Quoi? La chance ne vient jamais seule. Il faut provoquer la chance. Et pour ça, il faut multiplier les occasions ça. Pour l'avoir. Ouais. Dis-moi un peu, si je faisais 2 enfants, si je fais maintenant 2 enfants et que les deux là deviennent fous, je fais comment? Il faut être positif. Non, je fais comment? Non, tu faut être positive. D'accord. Est-ce que les enfants vont mourir comme ça? Quand si... je donne 2 enfants, c'est qu'il sait comment, il va t'aider à les élever. Si je fais 2 enfants, je les envoie au village. Ils font l'accident, je fais comment? Donc quand tu en fais 10, quel est le résultat? Le résultat, c'est que si je fais 10, j'ai la chance d'avoir un menuisier, un maçon, un magistrat, un président de la République. Même s'il y a un braqueur, un voleur qui iront en prison, le reste... Je peux espérer. Si je sors sur le chemin de l'école, pas t'appeler. Aïe de bon angel. Maman. Où est parti ton père? Il est parti au chat avec tantine Zak. Avec tantine Zak, eh? Mm-hmm. Tu veux sa tantine là? Ok. Si je sors sur le chemin de l'école. Ok. Comme mes filles. En tout cas, un autre jour, on va voir. L'aîné de tes enfants, quel âge, Bouta? Mais tu es venu pour mes enfants. L'aîné à quel âge? Le petit là a 12 ans, 13 ans. Le camarade de mon petit neveu, qui a 6 ans, qui est au coup préparatoire, le tien qui a 12 ans, rentre avec le 3 de moyenne. Moi, je l'ai chassé de chez moi. 12 ans, coup préparatoire, 3 de moyenne. Ah, c'est ça. Non, c'est parce que j'ai eu les petites difficultés un temps là. Ah. Je ne l'ai pas envoyé à l'école. Donc, il y a des années où il ne part pas à l'école. C'est et puis ça. Même, Tristalor, moi j'ai l'impression que tu montes et que tu descends ici avec la Bible. Tu ne maîtrises rien dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que quoi?
Nyanike quoi? Évangélise-moi alors. Allez et multipliez-vous, remplissez la terre. Et c'est ce que moi je fais. Je remplis la terre avec mes enfants. Et puis même, moi je suis le 12e enfant de ma mère. Imagine si un seul instant si ma mère faisait 2 enfants. Si elle faisait même 11, je n'allais jamais avoir l'occasion de jouir la vie. Ça allait justement faire une charge de moi à la sécurité sociale. Hein? Parce que toi, tu meurs là maintenant, là. Tu vas souffrir ces enfants-là. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas la sécurité sociale, ce n'est pas la pauvre justice qui va rester souffrir avec ses enfants. Tu crois que si ta mère en faisait 11, le monde se porterait mieux. Ça, c'est ça. Et puis, Judith, c'est à toi que moi je vais même parler cette fois-ci. Hein, parce que c'est ton corps, c'est ta santé, c'est ta vie. Si tu peux me permettre un conseil. Si ton mari refuse de mettre les condoms, je crois que les femmes en mettent. Comme quoi? Tu viens parler des condoms, c'est qui? Qui met les condoms? Tu me refuses à boire. Mets-toi en route! Tu me refuses à nourriture. Lève-toi! Condom! Oui, c'est comme ça que vous êtes dans ce village. Tu veux pas t'entendre tout à l'heure, je veux 100 francs. Tu veux 100 francs? Mouf! À genoux! Dans le village, je veux 100 francs! Voilà! Je n'ai pas dit. Voilà les braquards que tu élèves chez toi. C'est l'éducation que leur mère leur donne. Pardon, tu me laisses tranquille. L'éducation que tu donnes à tes enfants. Tonton Christophe, elle veut 100 francs. Ne me regarde plus. Oui, c'est comme ça que vous êtes dans ce village. C'est-à-dire que quand vous avez fait la réunion là-bas pour venir manger mes enfants, on t'a envoyé venir voir. J'ai dit si un mal arrive à mon enfant, si tu, vous allez voir. Là où tu es là, échauffe-toi. Je vais même pas te laisser un seul œuf dans le ventre. Tu vas accoucher, même pas un seul œuf. Tu vas pondre tout ça. Voilà. On se connaît pas. Elle n'est pas ici pour moi. Sinon, tu vas faire quoi? Hein? Tu vas me faire quoi? Un gourmet comme toi, une bille de bois. Tu peux me parler. Tu es qui? Tu es quoi? Hein? C'est que j'entends ici. Tu peux rien me faire. Tu es venu hier. Tu es venu hier là. Je ne suis pas dedans. Tu as compris? Tu as compris? Hein? Tu as compris? Donne-moi une chose comme ça là. Tu t'embrouilles pourquoi? Hein? Au début. Des billes de bois. Tu sais quoi, ma? Laisse-moi tranquille. Tu te prends pour qui? Tu es une femme? Hey, je suis quoi? Je suis un homme. Il fait quoi dans ma chambre si tu étais une femme? Donne-moi une chose comme ça là. J'ai dit que il fait quoi? Lui, il fait quoi dans ma chambre? C'est que j'entends ici. Tu peux rien me faire. Tu es venu hier. Tu es venu hier là. Je ne suis pas dedans. Tu as compris? C'est là où il m'a rôlé. Ici. C'est là où il meurt. Il meurt. Tu as vu ça? Hey, tu as vu? C'est là où il meurt. Hey, tu vas pleurer plus que ça. Donne-moi une chose comme ça là. Tu as quel prix? Quel ça? Donne-moi, je n'ai pas. Moi aussi j'ai. Voilà pour moi ici. Compris. Tu vas rester comme ça. Qui? Comme moi ça. Si. Moi aussi. Quel le voici? Même Pénique. Tu vas pleurer. Moi? Je t'ai dit que moi tu si. Vas pleurer, tu n'as pas encore pleuré. Tu n'es qu'au début. J'ai pitié plutôt de toi. Tu n'es qu'au début. J'ai plutôt pitié de toi. Toi et de toi, tu fais comme ça. Hein. Tu vas voir. Tu n'es qu'au début, tu es parti ramasser un sac de grumier pour amener à la maison, non? Ça va te faire. Tu vas voir toi et du doigt. Espère le mois de février. Tu vas trouver ici, je vais rester. Tu vas rester, tu vas partir. Tu vas partir, tu as compris, non?
Regarde-moi ça, elle secoue quoi? Hé, tu as quoi? Qui te passe pour le cinéma? Tu as quoi? Dis-moi un peu ce que tu as. Hein? Pour venir me montrer ta tête là, tu es qui? Une chose comme toi. Elle vient même parler, tu parles à qui? Accouche avant un héritier. Toi-même, tu as accouché quoi depuis que tu es comme moi de souris. Tu n'as rien mis, même la souris. Accouche. J'ai au moins accouché des filles. Toi, tu as accouché quoi depuis que tu es là? Hein? J'entends ce faut pas souvent répondre à ce genre de personnes. Regarde comment tu es. La jalousie, oh, faut savoir garder vos maris. Moi, j'ai accouché, accouche aussi. L'héritier qui veut la couche. Qui pleure, regarde, viens, viens aussi. Attends. C'est quand tu es venu pondre là, ce sont les bordels. Tu crois que ce sont les enfants, ça? Tu vas me voir. Moi, je ne sais pas. Finalement, vous les femmes, vous êtes tout de même. Moi, je te dis une chose. Laisse la femme là parler seule. Est-ce que toi tu as des pressions? Tu n'as pas de pression. Si j'étais prise en mariage, c'est parce qu'elle a été incapable de faire ce à quoi je m'attendais. Maintenant, elle parle, tu parles. Et finalement, c'est elle qui gagne les points. Hein? C'est comme si tu étais en train de courir après une folle. Finalement, les gens vous prendront toutes pour des folles. Quand elle parle, tu restes calme. Le silence d'un vieillard est signe de sagesse. Et puis, il ne faut pas souvent avoir l'habitude de parler quand on n'a rien à dire. Tu te tais. Puisqu'on dit qu'on répond aux imbéciles par un coup de silence. Tac, tac, tac. Fais un peu qu'un jour, elle parle, tu te tais. Donc, tu vas voir. En tout cas, tout le monde te dit d'abord, faut l'arrêter. Faut l'arrêter, qu'elle me laisse tranquille. Je ne suis pas venue ici pour elle. Qu'elle ne continue pas. Qu'elle me laisse tranquille. C'est comme ça. Les femmes, en même monde. Je te dis une chose. C'est quand elle parle, tu réponds qu'elle s'est fait du plaisir. Et tu verras que chaque fois qu'elle va toujours te provoquer, quand tu vas parler comme ça, elle sera contente. Laisse-la parler. Tu vas voir comment elle va maigrir. Quand tu parles, quand c'est que, en te taquinant, tu vas riposter, chaque jour, vous allez toujours organiser des films à entrée gratuite. C'est ça. Hein? Couche-toi. Couche-toi. C'est pas ça qui peut te faire avoir des insomnies. Moi, je t'ai dit. Allez, couche-toi. Ça va. Mon petit bébé, tu peux t'endormir, les oiseaux se pas de nous prendre une boîte d'allumettes et un bidon d'eau. Hein. C'est même là, c'est même encore les allumettes dans ce livre. Non, essaie quand même de regarder. Avec un bidon d'eau, tu sais qu'actuellement il fait soleil, bon, de temps en temps il y a des pluies, mais quand même, il faut qu'on ait un bidon d'eau là-bas aux gens. Hein? Très vite. Pendant que le climat est encore patient, il faut qu'on travaille vite. Thank you.
Zach! Zach! Viens un peu. Zach. Hey, chérie. Tu vois là où je suis en train de travailler là? Selon la portion que j'ai défrichée pour ta belle coépouse. J'ai défriché ici jusqu'au niveau de ce baobab. Soit elle voulait faire un champ de maïs ou c'était quoi. Tu as vu? Les uns sont encore sortis. Même place. Amen. Celle-là. Et elle ose ouvrir son museau là pour me parler. Voilà. C'est pour ça elle peut tenir nous. C'est pour ça qu'elle te dit, ne lui réponds pas. Où elle est, hein? Elle est perdante. Ma mère va prendre une femme comme ça. Mon fils, voici une femme. Bon, je dis, c'est ma femme, il faut quand même l'aimer. Bon, en tant que fils unique, il va le faire. Maintenant, j'ai besoin d'un garçon. D'abord, pour qu'elle fasse un enfant, ce n'était pas une chose facile. Maintenant, une fille. Une fille, puis rien. Une paresseuse. Voilà, même en gloire, moi, voici qu'il travaille. Ne t'en fais pas, chérie, je suis là. Parce que normalement, elle devait être avec toi. Oh. Tout le terrain, si elle devait faire les champs un peu partout là. Et si tu la connais, dès que tu réussis seulement à faire un seul garçon, non, le match, la bique siffle seulement quand elle est déjà à côté du ballon et il ramasse le ballon. Fin du match. Voilà. Elle, là, elle ouvre son museau sur moi. Oh, et dis-toi, c'est lui qui dérange. Va travailler. Va travailler, va travailler, va travailler. Amando. Je me suis battue à mon niveau. Oh. Voilà tout ce dont tu m'as demandé. Ça, c'est bien ça. Tu es une vraie battante. Hmm? Okay. C'est bien. C'est bien. J'espère qu'avec tout ça, mon travail va marcher. Tu doutes de moi? Non, je sais que tu es un grand guérisseur dans ce village. Mais les urines là. Il n'y a quelques gouttes. Hein? Bon, on avait ça. On peut faire le travail. Parce que ça n'a même pas été facile pour que je prenne ça. Oui, 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 oui. C'est vraiment ça. On va faire le travail. Mmh. Mmh. Voilà. Tiens. Avec deux mains. Bois. Quoi? De bois. Bois quoi, Manboro? Dans le pot de ma couille, je bois les urines. Tu veux pas boire? Je travaille une potion comme ça, je te donne toutes les urines. Hein? Je passe de nuit à marcher dans la forêt pour chercher des écorces, des compléments de ces produits. Tu dis les urines. Tu sais ce que j'ai déjà fait là avec cette écorce? Si tu ne veux pas, tu laisses et tu sors le chemin. Non, non, ça va. J'ai compris. Hein? Je bois. Bois un petit liquide comme ça, te dépasse. Non, ça va, il veut boire. Bois! Si tu ne veux pas boire, tu laisses. Vas-y! Alors, on ne veut pas boire. Elle sort d'où là? Elle sort d'où là? Voilà, c'est tout. Donne-moi. Donne. Tu as bu. Voilà. Tu rentres avec son pot. Je vais rester travailler sur les urines là. Où est l'argent? Ah, maman, je me suis battue. L'argent, on est ensemble. Est-ce que je vais fuir? Je dis, comment vous êtes même? Tu arrives tout bon à m'aviser que tu n'as pas de l'argent. Voilà quand je t'ai déjà donné le premier produit. Est-ce que tu ignores où j'habite à Manbo? Et toi, tu me connais est-ce dans ce village. Est-ce qu'il me revient de venir chez toi avant de chercher de l'argent? Non, je parce vais qu'il me faut aller très tôt le matin chercher les autres produits. En très loin d'ici. Je vais payer le transport avec quoi? Je vais moi-même apporter ça ici. Si tu dois toi m'apporter ça ici, demain à la première heure, 6 heures, que tu sois ici avec cet argent. Il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a pas de problème. Bon, si tu veux qu'il y ait des problèmes, tu ne viens pas. C'est ton problème. Vas-y. Première heure. Mais, avant tout,
tu fais un effort qu'elle arrive ici entre-temps. Qui? Ta repousse. Comment je vais faire que ça arrive ici là? Tom, tu sais qu'on ne s'entend pas, elle et moi. C'est ta repousse, non? Tu as fait mais comment pour apporter ce pot ici? Ça veut dire que tu peux me déjà l'amener ici. Moi, ta maison, tu es déjà capable d'apporter ça ici. Hmm? Ok, d'accord. Tu es capable. Je vais aller me battre. Le courage, tu es capable d'apporter tout ça ici. Amène-la. Je vais l'attacher. Sinon, tout ce que je vais te faire ne pourra pas aboutir. Ah bon? Non, oui, ce n'est que pour ça. Je veux me battre. Parce qu'il faut, pendant qu'elle arrive traite, ici, il faut que je l'attache. D'accord. Bon, Amanbo. Vas-y, je t'attends. Okay. Je t'attends. Première, et pour le poulet, j'attends que tu m'apportes de l'argent. J'achète tout ce qu'il faudra pour continuer le travail. On va ton insu. D'accord. Voilà. Ça pèse, hein? Qui a enlevé le pot? Mais quel pot? Le pot, je pisse souvent à la nuit, non? J'ai laissé le pot ici quand on allait au champ le matin. Mais qui marchait devant? C'est pas moi. Hey, hey! Voilà alors ça qui est venu. Voilà ça qui commence. La personne qui est venue prendre mon pot vient de poser. Ça, il faut te calmer, il faut te calmer. Tu as su que tu as placé le pot là? Je laisse sur le pot où? Je ne place pas sur le pot ici. Le matin quand on allait, le pot n'était pas placé ici. N'est-ce pas, il y a des jours que tu places aussi là sous. Que tu places ça sous le. Sous l'arbre qui est là. Ce matin alors j'ai laissé là. C'est comment je suis fort les deux doigts. Il faut d'abord chercher. Il faut chercher là-bas derrière. Je vais chercher derrière à faire comment? Tu ne sais pas que la chèvre peut aussi ramasser ça pour jouer avec. Même si la chèvre ramasse les deux doigts, ça va faire combien de distance avec? Voilà là, le derrière. Voilà le derrière. Aïe! Il faut souvent d'abord bien chercher quelque chose avant de commencer à parler. Tu parles. Il faut d'abord bien chercher. Lui, tu la cherches. C'est pas ton pot là-bas. Je dois laisse-moi ça. Laisse-moi ça. Mon pot ici, ça se retrouve où là? C'est pas ton pot ici. C'est mon pot. C'est mon pot. J'ai laissé mon pot ici. Tu as pris ça où? Là-bas, en bas du maïs là. Le petit maïs qui est à côté de la route. Donc les enfants peuvent ramasser ça pour jouer avec? Merci Tito. Il faut te calmer, il faut te calmer. Quand quelque chose arrive comme ça, tu te calmes d'abord. Pas bouge. Chaud.
Tu as froid? Ton problème, c'est quoi? Non, parce que je suis en train de couvrir là, tu rejettes le gras. Voilà, tu vois comment je suis torse nu, ça veut dire que j'ai pas besoin du gras. Oh, merde. Non. Et c'est comment? Est-ce qu'on a un problème? Non. Et pourquoi subitement ce changement? Quoi, je crois? Hein? Est-ce qu'on a un problème? Dis-moi, non, est-ce que toi et moi on a un problème? Je dis, hein, si tu me laisses dormir en paix, non seulement ça me ferait du bien, ça te ferait également du bien. Ma chance. Là, elle n'aime pas souvent tes choses là. Nous sommes là tranquilles, on n'a pas de problème subitement, tu changes. Quand tu changes maintenant, là, tu changes. Il y a quel problème? Il y a quel problème là maintenant? Tu m'as habitué à un rythme de vie. Maintenant, tu me tournes le dos, ça veut dire quoi? Parce que je suis très content de toi. Je suis très content de toi. Hein? Je ne sais pas que machin m'a envoyé chez toi. Hein? Ça fait combien de temps qu'on est ici? Qu'on est dans cette chambre? Qu'on se couvre ensemble, qu'on s'embrouille en char, ensemble, hein? Tu as déjà foiré tous mes boulons de la colonne vertébrale. On a un problème, on a un problème. Si tu me touches encore là. Je te prends. C'est pour venir faire quoi? Je suis fils unique. Il faut me faire des enfants et des garçons. Voilà. Plus d'un an aujourd'hui. Même pas un jour que, et déjà j'ai un petit retard, même pas une fille pour qu'elle dise que ça a été une fille, peut-être prochainement, ce sera un garçon. Il y a... Recule, hein. Recule. Mais dis-moi, est-ce que c'est ça qui te fait tout... C'est pour ça que tu es en colère comme ça, dis-moi. Mais si on a fait un an, mais attends, ça va venir. Quoi? Ça va venir, c'est comment ça va venir? Ah, ça va venir quand? Ça va venir quand? Mes deux boulons qui sont restés au niveau de ma colonne vertébrale là. Ce serait. Non, c'est critique pour moi. Je vais exploiter ça ailleurs. C'est plus avec toi. Et vous demandez, quelle est cette femme même couture là. Tu me remplis le lit. Et pour rien. Évite-moi. Hein. Évite-moi. Vas-y. Reste où tu es. Tire ton gras. Faut tirer ton gras là-bas. C'est ton gars là-bas. Pousse là-bas. Va au mur, hein. Faut aller au mur. Dans ma famille, nous n'avons plus que les poules, hein. Dans ma famille, on n'a plus que les poules. Maintenant. C'est la paix grise, ou tu es devenu quoi, je ne sais pas. Tu ne manges plus. Enlève-moi ça! Enlève! Enlève-moi ça! Ma chance! Plus d'un an aujourd'hui, hein? Et je vois des petits-enfants venir ici, venir pisser de l'eau dans le puits que moi j'ai creusé. Et je dois être content! Je dois danser! Enlève-moi ça vite!
Enlève! Tu es venu ici pour faire quoi? On n'a pas signé un contrat? Pour rien. Tu viens me remplir le ventre. Tu t'es dit que j'avais besoin d'un ventre plein. Chez nous, nous ne sommes plus que des poules. Nous ne sommes plus que des poules. Même si tu veux les crippler, tu les en auras. Voilà ça. Et tu crois que je suis contente de la situation que nous vivons? Enlève-moi ça. Enlève ça. Source de mes malheurs. Je le vends. Tu vas voir. Ma chance. Tu vas me voir. Vierge Marie, mère du bel amour. Mère qui n'a jamais abandonné un enfant qui crie au secours. Mère dont les mains travaillent sans cesse pour tes enfants bien-aimés. Car elles sont poussées par l'amour divin et l'infinie miséricorde qui déborde de ton cœur. Tourne ton regard plein de compassion vers moi. Vois le paquet de nœuds qui étouffe ma vie. Tu connais mon désespoir et ma douleur. Tu sais combien ces nœuds me paralysent. Marie, mère que Dieu a chargée de défaire les nœuds de la vie de tes enfants, je dépose le ruban de ma vie dans tes mains. Personne, même pas le malin, ne peut le soustraire à ton aide miséricordieuse. Dans tes mains, n'y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Je suis catholique. Et chez les catholiques, on dit qu'un bon chrétien ne devrait pas avoir plus d'une femme. Maintenant, je me retrouve polygame. Parce que quoi? Je suis fils unique avec tout ce terrain. Tout ce terrain. Et j'ai besoin maintenant d'un héritier, d'un garçon. Je prends une première folle, des filles. Je m'en vais maintenant chercher une autre croyant que c'est elle qui allait me trouver un héritier. Rien. Dieu. Attends un peu. Tu es où tu étais? Non, dis-moi. Je me mets à genoux. Je ne gronde plus. Bon, dis-moi, souviens-toi, est-ce que tu te rappelles que moi, Edith non classé, je t'ai fait une demande un jour pour que tu me mettes au monde, moi. Tu ne vois rien. Bon, ça, c'est ça. Bon, si donc cet homme qui a décidé que je viens dans ce monde, c'est pourquoi? Pour que je souffre. Donc tu m'as tendu un piège. Non, réponds. Bon, ou alors, finalement, le Satan a eu le dessus sur toi. Mère toute-puissante, par ta grâce et par ton pouvoir d'intercession auprès de ton fils Jésus, mon libérateur, reçois aujourd'hui ce nœud. Maman, pardonne-moi un enfant.
un garçon, l'héritier de mon mari. Vierge Marie, tu es notre maman. Toi, la première femme qui connaît la souffrance des autres femmes. Et ce que tu vois aussi. Marie, toi qui défais les nœuds, libère-moi, prie pour moi. Amen. Bonjour Zach. Comment me sentir-tu? Pourquoi? Je ne suis même pas ton ennemi comme tu vois là. Je te dis, c'est Edou qui nous met dans les problèmes. Toi-même, tu es une femme comme moi. Si on s'entretue maintenant, c'est même pourquoi. Le problème que toi, tu as maintenant, moi, je voulais te donner même un conseil pour ce problème-là. Moi, j'ai eu le même problème en venant dans ce village. J'avais les difficultés pour accoucher. Mais j'ai marché. Marché, je ne te dis pas. Je suis partie chez un marabout, loin là-bas en haut. On appelle le marabout là Amanbour. Lui, c'est lui qui m'a fait accoucher les enfants que tu vois là. Donc, si tu pars même là-bas, ton problème va se régler. Tu dis même que Dieu qui est là-bas en haut, est-ce qu'il nous voit ici en bas? Moi-même, j'ai prié Dieu, ça n'a jamais marché. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va marcher. Si tu veux, tu m'écoutes. Si tu veux, tu fais comme tu vois. Ce n'est que le conseil que moi, je peux te donner. En tout cas, je m'en vais. Tu as seulement été le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, tu ne nous connais pas. Tu ne connais pas. Qui m'a alors envoyé ici sur terre? Un garçon. Un garçon. Tu es incapable. Tu as perdu ta face. Tu es nul. Tu es zéro. La Bible dit que tu es tout puissant. On dit quoi? Omniscient, impotent. C'est des attributions. Tu es nul. Tu ne connais rien. Reste, si tu es au ciel, reste là-bas. Tu ne verras jamais là-bas. Nous, on reste ici sur terre. Comment tu peux me faire ça? Comment tu peux me faire ça? Un garçon te dépasse. Que tu peux me ramasser un ange dans ton paradis là-bas, tu balances dans le vent que ça coule, quand il m'accouche un garçon, tu es incapable. Et tout ce terrain. Pourquoi tu as peur que je nais dans une famille où il y a du terrain, il y a du terrain, mais tu es incapable de faire en sorte que j'ai quand même un successeur. Ton temps est passé. Tu fus. Tu n'es plus rien. Tu n'es plus rien. Même la messe, là, il n'est pas même plus. Et puis que nous mentons même. Dieu. Quel Dieu. Tu as fait ton temps et ton temps est passé. Ton temps est passé. Ouh, il a même honte. Ouh. Et il a honte. Il a honte. Il veut faire comment avec toute la portion aussi? Toute la portion aussi, il veut faire quoi de ça? Il veut faire quoi de ça? Hein? Tu ne réponds pas? Je veux faire quoi de ça? De toutes ces portions aussi? Hein? Tu vas voir. Tu vas voir. Le dernier jour, le Satan sera assis sur le trône. Tu seras en train de lui demander même une goutte d'eau. Parce que tu n'es rien. Quand on te prie, j'ai même constaté que, j'ai dit, quand je m'agresse à toi, je perds le temps, j'ai la malchance. Parce que quand je ne te priais pas, ma vie roulait. Depuis que j'ai commencé à te prier, plus rien. Alors que le diable, aussitôt que tu demandes, il t'a déjà répondu. Tu es là, on fait un an, deux ans, trois ans, tu ne réponds pas. Et tu veux que nous, on soit avec toi. Je change d'équipe. Tu vas rester où tu es. Et...
Zakula. Eche. Tu connais mon nom? Donc, nous, on voit. On voit tout là. Là. J'attendais que tu arrives ici. Tes problèmes, je les voyais depuis. Hein? N'est-ce pas, tu cherches un garçon? C'est comme si tu es en train de lire dans mes pensées. Je vois. Nous voyons. Si j'étais placé ça devant toi, si j'ai placé ceci devant toi, c'est pourquoi tu lises ça en même temps que moi. Si tu peux voir, je vois tout ici. Tu veux un garçon qui sera le successeur héritier de ton mari. Et c'est pas ça? C'est ça. Voilà. Bon, mais tu as des problèmes. Des premiers problèmes, un de tes premiers problèmes, qui t'a mis ce que tu as au courant? Quoi? Mon chapelet. Tu as fait quoi? C'est mon chapelet ici. Enlève ça. Enlève d'abord. Tu te déposes par terre. Ça veut dire que enlève sans bavarder. J'ai là. Non, vous voyez ça en plus. Qu'est-ce que tu mets au cou là? C'est ça qui te freine. Tu veux. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est le prêtre qui m'avait donné ça pour vous cherchez des enfants, vous allez voir les prêtres. Les prêtres vont vous aider à faire quoi? À pas lire la Bible, ils peuvent faire quoi? Ils peuvent te donner une herbe comme moi. Je peux te donner une herbe. Je peux te donner une écorce. Ça t'aide. Les prêtres, les prêtres. Tu veux que je te laisse aller continuer à voir les prêtres? Ça, je vais tuer tout le pouvoir maléfique qu'il y a sur cette affaire-ci avant de jeter. Bon, tu m'apportes d'abord 1005 francs. Il n'y a pas de problème. Si ce n'est que pour 1005 francs, je peux me te donner ça maintenant. Ah oui. Et en plus de cela, tu m'apportes le caca de tonnerre. Et tu es? Oui. Le caca de tonnerre. Le caca de tonnerre. Tu ne sais pas que ça existe. Ok. Tu sais d'où? Pardon, Amanbori, vous me demandez ce que je peux vite trouver. Le caca de tonnerre, tu vas m'apporter ça. Avec 9 tortues. Moi, je ne veux pas savoir. Tu dois te débrouiller à me les apporter. Tu ne sais pas que le tonnerre a le caca. Quand ça... Tu crois que c'est quoi? C'est caca, ça sort le caca. Avec 9 tortues. Et 9 francs en 1 franc. 1 franc, 9 francs. Et je te résous ce problème. Clair, net. Amanbouro, moi je crois que tu es bien placé pour trouver toutes ces choses-là. Je préfère te donner l'argent, toi-même tu pars. Oui, acheter. Bon, oui, pour 1 franc, là, tu me donnes 25 000. Comme ça, je vais me débrouiller à chercher 1 franc. Oui. Oui, et tu me donnes le reste. C'est comment? Où est ça? Bon, tu vas m'apporter tout ça au même moment. Le caca de tonnerre, 1005 francs avec les 9 tortues. Et si tu veux que ça marche, demain à 16h, avant le coucher du soleil, tu me les apportes. Je traite sur toi. Hein? Je travaille sur toi une fois. Tu ne peux pas faire le travail là maintenant. Quand tu as apporté ce que je veux. Moi, j'ai dit que je te donnais l'argent, tu achètes tout. Parce que là, mon mari est en train de. J'ai dit, tu ne peux pas vivre la situation. Tu peux me donner 25 000. Pendant que j'irai chercher 1 franc, tu vas préparer, apprêter le 9 tortues de caca de tonnerre. Demain à 16h, on arrive au même moment avec tous les éléments. On travaille, on finit. Il ne faut pas que ça dorme chez moi. Je t'apporte l'argent là demain. Oui. Pour t'aider. Avoir tout ce que tu vas m'apporter demain. Voilà déjà une écorce que je peux te donner. Hein? Demain. Voilà. Demain, tu m'apportes tout ça au coucher du soleil. Avec 51 500 francs. 51 500 francs. Là,
on finit tout sur place. Il n'y a pas de problème. Tu l'attends? Il n'y a pas de problème. Amanboro lui-même. Faites-moi confiance. Je vais vous donner tout ce que vous voulez dans ce village. Elles ont déjà vécu partout, tournées partout, partout. Une costure, elle fend comme ça. Elle vient encombrer la foyer de la petite fille. Bonjour, avec tes petites chansons. Alors, je vous fais comment? Bonjour. Ça me donne la joie. Je rentre de la classe des chants. Comme ça. C'est pour cela même que je chante. Ah, Amaji, c'est comme ça. Rien que mes problèmes. Encore des problèmes? Ça ne va pas dans mon foyer, Mamaji. Tu sais que je suis la deuxième femme de Rudouane. Bien sûr. Étais-moi dans ma famille tranquille. Et Rudouane est venu m'épouser. Il est venu avec moi. Mm-hmm. Tu sais qu'il avait d'abord épousé une première. Il a d'abord une première femme. Je sais. Avec qui ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes quand j'ai dit qu'ils ont eu. On dirait que c'est censé d'être arrangé. La première arrivée là, elle ne fait que des enfants, des filles. Mm-hmm. Et comme Edou doit être donc héritier, je sais. Il est venu m'épouser que non. Il se dit quand même qu'avec moi, il aura des garçons. Mm-hmm. Chose que moi, je savais que non, moi, je n'aurais pas de problème parce que dans notre famille, nous, on n'a pas de problème. Et quand je venais en mariage, je sais que dans moi, moi, je n'ai pas de maladie. Je sais que je suis bien portante. Ça se voit. Et depuis donc que je suis arrivée, maman, c'était bien avec mon mari, très, très bien. On s'entendait bien là. Mais depuis où c'est combien de mois aujourd'hui, ça ne va pas, Edou doit et moi. Nous sommes déjà allés à mon niveau où, dans la nuit, je vais même toucher deux doigts. Je me réveille même, je constate qu'il est nu, que je peux ne serait-ce que mettre le gras sur. Dès que je vais seulement envoyer le gras, la nourriture alors est. Le jour où il est de bonne humeur, les assiettes me retrouvent seulement avec le pied. Où je ne sais pas en magie, où je suis là, je suis dépassée, je ne sais même plus quoi dire. Mm-hmm. J'ai fait les prières. Je me suis donc lancée, où je sors là même, je sors voir, il y a un marabout là-bas qu'on appelle, où c'est Amanboro. Tu es parti chez Amanboro, finalement? Ah oui, il s'appelle un marabout. Tu sors de chez qui le marabout? Mon chapelet même que j'avais, il a enlevé ça. Zamouam, qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes quoi? Il a pris mon chapelet, maman. Le chapelet? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as en main? C'est l'écorce qu'il m'a donné. À Manboro. Il t'a donné l'écorce. Il a pris ton chapelet. Maman, tu as pris ça? Je suis désespérée. Maman, tout ce qu'on peut me dire de faire maintenant, je veux l'enfant, maman. Ta force? Tu es partie laisser ta force là-bas? La force de Dieu que tu avais en toi? Aïe! Ça court là, je t'en prie. Ne me dis pas ça. Ça, c'est une abomination. Zach, est-ce que tu peux te rattraper? Tu peux te rattraper? Qu'est-ce que tu es en train de me raconter comme ça? Tu laisses ton chapelet, tu laisses ton Dieu, tu laisses la Vierge Marie, qui est même la mère des mères, que même si tu veux même accoucher aujourd'hui, c'est elle qui peut t'aider. Tu peux laisser le chapelet chez Amanboro. Tu ne sais pas que ces charlatans-là, quand ils voient le chapelet, quand ils voient quelque chose qui a un pouvoir divin comme ça, là, il tremble en lui. Ce sont des poltrons. Hein? Quand il a vu ça, il ne pouvait pas être à l'aise. Il tremblait en lui et il ne pouvait même pas te dire ça. Hein? Tu es fini, Zach. Ma fille, tu es fini. Moi, je vous dis souvent au village ici que si vous me voyez vivre jusqu'à maintenant, là, c'est la prière. Zach, je t'en prie. Là où je suis même venu, là, j'ai laissé le prêtre là-bas à la mission. Il faut aller là-bas, dire ça au prêtre, te confesser, te confier à lui. Qu'est-ce que comme ça, c'est lui qui peut t'indiquer comment faire. Et il faut même d'abord qu'il te bénisse. Hein? Il faut qu'il te bénisse. Tu es parti là-bas te souiller. Si Dieu n'est pas avec toi, si Dieu ne veut pas, tu peux prendre tous les charlatans du monde, tu ne vas pas accoucher. Moi, je te dis. Mais si Dieu le veut, ça ne peut même pas te prendre quelques 2 ou 3 mois. Tu seras enceinte. Hein? Tu connais l'histoire de la femme d'Abraham. Aie donc confiance. Va chez le prêtre. Et au retour de là-bas, lance-toi, remets-toi dans la prière. Je ne peux pas te dire. Sans limite. Tu comprends ce que je te dis? L'arbre, c'est quoi?
L'arbre là, c'est l'arbre, ce n'est même pas un homme. C'est l'homme même qui commande l'arbre. Est-ce que l'arbre peut te protéger? Il a quel pouvoir? Hein? Dieu a même créé l'arbre là. Il a dit à l'homme que c'est toi qui domines tout ça. Et un homme part prendre une écorce, il te donne, toi aussi tu prends. Pardon. Pardon, va seulement là où tu pars là. Je m'en vais, je prends le même raccourci que toi. Oui. Hé, hey, Auntie. Non, Sainte Vierge, il faut avoir pitié d'elle. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle a perdu la tête. Oui, ma fille, je t'écoute. Je suis venue vous voir. J'ai trop de problèmes dans mon foyer. J'ai connu mon mari. Je suis la deuxième femme. Parce qu'il a deux femmes. Il a d'abord une première femme, mais je suis la deuxième. Quand je suis arrivée dans son village, tout allait bien entre mon mari et moi. On allait au champ ensemble, on faisait tout ensemble, la cuisine et tout et tout. Quand je suis arrivée, quand même, il m'avait expliqué que la première femme avait des problèmes parce que la première femme ne faisait, elle fait rien que des enfants, filles. Et j'ai dit, ok, il n'y avait pas de problème. Peut-être je vais changer. Je serai à mesure de lui donner ce qu'il veut parce que son problème, lui, c'est le garçon. Et comme déjà lui-même, il est héritier. Alors, entre-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon mari a changé subitement comme ça. Un matin, je me lève et Edou Douané plus Edou Douané que je connais. Dans la nuit même, quand je vais toucher, c'est les problèmes. En journée, je lui sers même à manger. Le jour, il est de bonne humeur. C'est le pied qui me renvoie les assiettes. Sans vous mentir, papa, parce que si je vous mens, c'est comme si je mentais Dieu. Parce que je suis là, je suis devant Dieu. Je suis allée chez le marabout. Je suis allée chez le marabout. Ce qu'il m'a raconté là-bas, le chapelet même que j'avais. Parce qu'entre-temps, quand même, j'ai fait des prières. Le chapelet même que j'avais, le marabout est parti en Évista là-bas. C'est quand je rentrais donc tout à l'heure, là, j'ai rencontré Maman J. Avec tout ce qu'il m'a donné comme remède, écorce et tout, Maman J m'a dit de jeter ça en brousse. Elle m'a demandé de venir ici à l'église, de venir vous soumettre tout mon problème. Je voudrais que tu sois déjà forte par rapport à la situation que tu vis. Mais tout ce que je déplore souvent, c'est cette confiance inouïe que vous faites au marabout. Parce que tu as bien fait de venir rencontrer le prêtre, de venir confier ton problème à Dieu. Dieu, c'est notre Père. Il ne peut rien nous refuser. Il faut seulement que nous ayons foi en lui. Dieu, c'est le Père de l'impossible. Il dit que même ce qu'on ne peut pas penser qu'il peut nous donner, va nous le donner. Donc je veux que vous fassiez chaque jour faire grandir votre foi dans la prière, dans la confiance en Dieu. Ce n'est pas le marabout qui va te donner l'enfant. Ce n'est pas le marabout qui va te donner ton mari. Avec beaucoup d'amour, c'est Dieu qui va le faire. Donc, comme tu es venu rencontrer le prêtre, je vais te remettre à l'école de la prière pour faire grandir ta foi et Dieu va entendre ton cri de cœur. Voilà, je vais te prescrire quelques... Tu sais faire le chapelet? Oui. Voilà. Tu as la neuvaine à Sainte Rita? Oui, mon père. Voilà, tu vas l'associer à la neuvaine à Saint-Antoine de Padoue. Et je vais te donner quelques psaumes que tu vas souvent lire le matin et le soir en lisant tes neuvaines. Je pense que je ne sais même pas qui est-ce que je dois faire venir dans ce village pour que je respire. Toi, tu fais comment tu pour te recouvrir dehors? Hein? Entre là-bas. Voilà. Rien n'est réussi. Tout est chaud. Et tout ça, c'est l'imba.
je n'avais jamais songé un jour me retrouver avec deux femmes. Mon arrière-grand-père avait été polygame. J'ai tout entendu. J'ai alors dit qu'il me fallait une et une seule femme avec mes enfants pour mener une vie harmonieuse. Je peux apprendre de Selemba. Des filles, des filles. Des filles, c'est quelque chose. Je me dis alors que bon, il me faut un héritier. Je peux apprendre. Et rien. Même pas un jour que Dieu doit gérer un retard, même de 3 secondes. Et tout ce terrain qui va rester avec. Je dois aller prendre celle-là pour me faire au moins un garçon. Chez nous, on n'est plus que des poules. On verse des jumeaux, des triplés. Mais maintenant, rien. Et voilà que maintenant, entre Esselemba et moi, ça ne passe pas. À cause de cette poubelle. Genre de tactique. Je reprends ma vie normalement comme j'étais avec Esselemba. Tu songeras à respecter tout ce qu'on peut faire pendant une veine. Le jeûne, le monde, assister à la messe, te confesser, communier. Donc vous allez prier, vous allez faire une neuvaine, vous allez prier Dieu, vous allez inscrire quelques messes pour vous-même. Vous verrez comment Dieu va résoudre votre problème. La confiance que vous avez en Dieu, il ne vous décevra pas. Donc je vais vous écrire quelques psaumes là que vous allez souvent lire le matin et le soir. Associé, le matin vous lirez le psaume 3, le 4, le 5, plus la neuvaine à Saint-Hérita. Voilà, et le soir, vous lirez le psaume 51, le psaume 91 et le psaume 102, plus la neuvaine à Saint-Antoine de Padoue. N'oubliez pas que pendant la neuvaine, vous écrivez votre intention. La neuvaine, ce n'est pas 9 jours de prière différentes, c'est une même intention adressée à Dieu. Donc, si c'est le bébé garçon que vous voulez, vous demandez à Dieu chaque jour, « Seigneur, je veux un garçon de mon mari. » Que ce soit « Seigneur, je veux un garçon de mari. » Ce n'est pas qu'aujourd'hui, je veux un garçon. Demain, parce que j'ai le problème avec lui, tu dis que tu veux qu'il y ait la paix entre vous. Après, demain, parce que ta co-épouse va t'insulter, tu demandes à Dieu de punir ta co-épouse. Le 4e jour, parce que ton mari, tu l'as vu avec un peu d'argent, tu dis à Dieu que s'il peut te donner l'argent là, ce n'est pas ça la neuvaine. La neuvaine, c'est « Je veux un garçon pendant 9 jours. » Donc, c'est ce que tu vas faire à ce neuvaine à Saint-Hérita le matin, Saint-Antoine de Padoue le soir. Tu songeras aussi inscrire 3 messes. Je suis sûr que la foi que tu as en Dieu va résoudre tous les problèmes. Nous ferons le reste, nous prierons pour toi, ma fille. Et songe aussi à ne pas négliger ces prières que nous te donnons. Ce n'est pas l'écorce d'arbre ou de je sais quoi que le mari va te donner qui va te faire avoir l'enfant. C'est Dieu qui va te donner un enfant à travers ces prières qui vont faire grandir ta foi. Ok. Que Dieu te bénisse, ma fille. Et Selemba encore mieux. Parce qu'au moins, elle, quand même, elle a fait des filles. Celle-ci, il y a. Il faut que je me rapproche encore de Selemba. Et celle-ci, elle-même va partir seule. Elle va moisir là. Quand cela va se fatiguer, elle va partir d'elle-même. C'est comment? En tout cas, je voulais te dire que j'étais chez le prêtre. Le prêtre marié.
Non, il n'est pas marié. Il n'est pas marié. Alors, ce qui concerne les dents, la poule peut parler? Non. C'est quoi, c'est une convocation? C'est qu'il m'a donné les prières. Il y a les neveux. Bon, je voulais te montrer que peut-être ensemble, nous prions, on peut prier ensemble. C'est que je... Tu vas donc aller dire à ton prédicateur, hein? C'est les prières de Dieu lui-même que j'attends maintenant. Fuis! Hey. Bonjour Zach. Mmh, bonjour. C'est comment non? Ça va? Comment tu es casse comme ça? Ah, laisse. Hiki, donc ce que j'entends les vrais. Je peux un peu m'asseoir? J'entends que tu es enceinte de 2 mois. En tout cas, c'est comme tu as compris là. Et tu ne nous dis même pas, ma co-épouse. Quelle bonne nouvelle dans ce village. Tu as donc vu ce que je t'avais dit. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit quoi? Que Amanboro, c'est le marabout le plus efficace de ce village. Tu vois comment les résultats d'Amanboro marchent? Quand moi je te dis quelque chose, tu ne vas pas m'écouter parce que tu crois que comme je suis avec ton mari, c'est que je veux ton mal, n'est-ce pas? Tu vois là les résultats maintenant. Et comment Edou doit prendre la chose? Mon gars, il est aux astres. Moi, je suis content pour toi. On devait même s'entretuer alors. Pourquoi même? Tu vois comment on est déjà bien. Moi, je voulais seulement te féliciter. Je vais éplucher mon manioc là-bas à la maison pour mettre au feu. Pour que les bonnes dames la mangent. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Amanboro, oui? Je veux un blanc. Qu'est-ce qui te gêne avec la noire? Nos frères me fatiguent déjà. Quand ils te voient, le premier jour, oui, tu manges, tu bois, tu dors bien. Oui. Le deuxième jour, oui, tu manges, tu bois, tu ne dors pas bien. Oui. Le troisième jour, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne dors pas. Donc ça commence toujours bien et ça finit mal. Et pour cela, tu veux déjà chercher plutôt un blanc? Le non, blanc. C'est le blanc qui paye. C'est les blancs qui payent, c'est les blancs qui sont bien. Ce sont les mboutes. Hein? Les blancs, ce sont les mboutes. Donc ce que je veux, c'est que tu me donnes un truc là. Puisque oui, je sais que tu peux faire ça. Bon. Tu me cherches une somme de 50 000 francs. Je te trouve un blanc dès le premier jour. Un blanc. Pas n'importe quel blanc. Hein. Un blanc dès le premier jour. 50 000. Oui. Ok, je vais chercher ça. Mais, attends. Avant de me donner les 50 000, mmh, il faudrait que je te prépare vraiment le chemin. Hein? Voir si vraiment le blanc pourra être satisfait. C'est aussi une des choses qui te gêne avec les noirs. Hein? Il faut que moi-même, le noir, je te prépare le chemin pour atteindre le blanc. Il n'y a pas de problème. Voilà. Même si c'est maintenant que tu veux, il n'y a pas de problème. Non. Bon, tu passes ici dans 2 jours. On arrange, hein? Ok. Voilà. Remercie mon bon Dieu. Papa, je ne sais même pas ce que je peux te donner. Je ne sais pas, il y a 2 personnes. Il y a maman J. Si j'avais même suivi ma magie depuis, c'est que je ne suis même pas dans les problèmes. Si je continuais mes prières comme j'avais commencé, peut-être que c'est sûr, il y a même... Elle vient me troubler, me troubler, me troubler, marabout, marabout. Maintenant, elle danse. Si c'était même son marabout là qui me donnait vrai l'enfance, si, c'est que personne ne va parler dans ce village. Marabout, marabout. Heureusement qu'on dit souvent que quand tu vas en mariage quelque part, tu trouves toujours une maman qui est avec toi que, je ne sais pas, Dieu accorde encore les jours à maman J. Comment tu vas? À partir de la musique.
c'est le petit maïs qui a été gardé. Il dit que ce que les oiseaux font là-bas en brousse, ton chambre que tu avais commencé là, il dit que tu viens à distance, tu entends seulement tu ne peux pas mettre les pièges tout autour. D'accord, merci. Et tu dis que tu as les nausées. Ça, comme tu es costaud, là, moi, je suis costaud. On va seulement sortir alors. Samson. Laisse-moi là-bas. Laisse-moi. Là. Il faut aller me changer le lit là. Hein? J'ai vu où c'est, un ciel l'autre jour. Là, il faut aller passer la commande des planches. Je vais changer le lit. Ça. Et qu'est-ce que les gens de Villa disent? Gars, quand ils t'appellent gars, il faut comprendre. Hein? Le monde vient à tout de rôle. Ah bah les jaloux. Il y en a, ils guettent comme si. Hein? Il voit seulement à distance, il dit que oui, guetté. Ouais. Tu sais que c'est là où on dit qu'il n'y a rien. Ça, c'est là même que Dieu bénit. Alors que qui a dit là-bas que quel ventre, au ventre de caca. Hein? Et ta coupeuse? Hey, laisse-moi celle-là. Elle vient me faire la politique ici, non? Hein? Hey. Elle était là tout à l'heure, me dit que ce que j'entends là, je commence pas à l'entendre au village, le temps que nous sommes ici, tu ne me dis même pas. Hein, machin, tu vois alors, hein, je vois là. Hein? Et elle là. Tu n'as pas répondu? Tu dis que ma bouche se parle souvent. Hein? Elle vient me faire la politique. C'est que elle sait. Tu sais, elle sait que dès qu'on va se mentir, c'est fini pour elle. Hein? Moi, si elle veut rester comme ça, j'appelle que telle, maman! Hein? Pas seulement que telle, un garçon musclé qui ressemble à son père. Oui, qui? Seulement à toi, lui donne, lui ne va pas me ressembler. Non! Tu sais que, il faut qu'on sache, en le voyant seulement que non, ça c'est le travail de non glacé. Non, ce n'est pas mon travail. Hein. Demande encore. Tu finis alors, tu allumes le feu, tu me fais ça, non? Est-ce que c'est un problème? Hein? Dieu des ténèbres, oriente-le vers ici. Que je vive. Que je vive de leur poche. Que je vive de leur gloire. De leur source. Oui! J'ai dit à Amadou, c'est quel travail que tu as fait sur moi là? Hein? Tu fais quoi? Tu dis que tu as fait. Oh non, si tu n'as pas appliqué ce que je voulais. Qui? C'est que j'ai là, mon suffit.